Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo réaction aujourd'hui ici sur la chaîne Antexelpa. Donc Booba a sorti un nouveau son, Dragon. On va écouter, c'est en plus un lyrics vidéo. Cool. Franchement, c'est cool. Quand c'est un lyrics vidéo, franchement, c'est cool, les amis. Attendez, je vais désactiver le Spotify. Ok. Je sais pas ce qui m'attend. Let's fucking do it. Ça a l'air d'être. Non, rien à voir. Ouais, donc typiquement Booba, ça commence comme ça devrait. Exactement comme je m'attends à un son de Booba actuellement. Donc, laissons-nous convaincre, on va dire. Putain, incroyable. Pour pas souffrir, j'apprends à ne pas aimer. Et l'image de Titanic, c'est quoi ce délire? Incroyable, incroyable. Alors, pour pas souffrir, j'apprends à ne pas aimer. Je suis resté vrai, même si je me suis éreinté. On perd, on win, on apprend. Et bien sûr, l'image de Benzo. Valentino Rossi, che bello. Bien sûr, je tomberai amoureux, mais pas longtemps. Je prends tous les virages comme Valentino Rossi. Je prends tous les virages comme Valentino Rossi. Tout s'habille en noir, mais la méthodologie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Rien est assez bon, rien ne suffit. Elle veut dompter le dragon. C'est Chalizy. J'imagine que c'est le dragon là du film là. Pas mal. Mais non, bizarre, on parle pas. Ouais. Elle aime le moteur et la carrosserie. J'adore, franchement, c'est un son que j'adore. Le négro s'attache, elle perd le temps, c'est bien ça ce qu'il a dit. Dès qu'elle s'attache, le négro fout le camp. Elle pense à moi, c'est comme une maladie. Et une image, bien évidemment, du vaccin. Instable en amour, je suis comme un enfant. Pas mal l'image quand même, hein. C'est un message, en fait, pour quelqu'un, je sais pas, j'ai comme l'impression. Je tombe amoureux, oui, mais je me barre tout de suite. Après, laisse-moi plus de temps. Je mets aussi ici le texte, comme ça, j'ai pas besoin de reculer là. Laisse-moi plus de temps. Instable en amour, je suis comme un enfant. Laisse-moi plus de temps. Donc, il parle. Ouais, ok. Titulaire, connais pas. Ouais. Titulaire, ne connais pas le banc. Reculer, jamais ou très rarement. Ça se voit que t'as pas d'argent, t'as les sièges chauffants qu'à l'avant. Qu'une live, pas de réédition. Ah, un beau message pour son fils. Un beau message pour son fils. Si Diallo passe à Moula, c'est malédiction. Tout noir, tout droit, c'est la direction. Débrouille-toi, fiston, ma bénédiction. Elle me parle d'égalité, c'est moi qui paye l'addition. Paye l'addition. Bien sûr, le film culte Scarface. Je fais mes dinéros. Ah, beau message ça, par contre, hein, pour tous les rapis. Incroyable. Pour tous les rapis. Alors, elle me parle d'égalité, c'est moi qui paye l'addition. Ensuite, je fais mes dineros en chantant. Plein de questions à la con, comme chez Thierry Ardisson. À l'occasion de la sortie de Panthéon en 2004. Ah oui, c'est vrai, Booba s'est retrouvé dans le plateau de Tout le monde en parle, afin de faire la promotion de son album. Le présentateur, comme son habitude dans le programme, revient sur le parcours de son invité et échange sur plusieurs sujets avec souvent une note d'humour qui passe plus ou moins en fonction de ses interlocuteurs. Oui, j'avais vu cette interview, je dois vous dire. J'avais vu cette interview.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment des questions à la con ce qu'il a fait. Hein. Là, franchement, il a tort. Il a pas tort. La mélodie vient du village, le braco que j'envisage, j'en parle pas. C'est pas réellement un refrain, on va dire, mais c'est cool. Je dois rejoindre l'équipage, je vois plus ses messages, blablabla. Elle aime le moteur et la carrosserie. Là, c'est le refrain. C'est un beau message quand même. Hein. J'aime bien. Franchement, ce son-là, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est Booba comme on le connaît. C'est aussi new, nouveau, fraîcheur. Ouais, c'est cool. Donc laisse-moi plus de temps. Ouais. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Donc on peut s'arrêter ainsi parce qu'il y a le refrain juste après. Donc pas besoin de regarder plus. J'aime bien. J'aime bien ce son. Je mets un like. Absolument. Donc j'aime bien ce son. Donc la plupart, la piraterie n'a jamais été aussi active depuis sa retraite. Incroyable. L'éclipse, le passé, le présent, le futur. Ouais. Donc oui. Absolument, absolument. Donc rien à dire, rien à dire. Je suis vraiment content. Bref, on termine ainsi pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu ou comment vous avez trouvé ce son de Booba Dragon. Vraiment incroyable. Rien à dire, rien à dire. Franchement, je suis content d'avoir des sons de Booba. Il avait fait aussi un autre son avant, mais celui-là, j'ai pas fait de réaction, les amis. Parce que c'était déjà trop longtemps qu'il était sorti, j'avais pas envie de vous faire une vidéo sur un son qui ça date. Donc oui, j'aime bien. Dragon, donc tout le monde maintenant espère qu'il y aura un nouveau album, etc. Mais il n'y aura pas de nouveau album. Il avait déjà annoncé d'ailleurs dans Touche pas mon poste qu'il allait faire de temps en temps des sons comme ça, qu'il allait se lancer comme ça des sons, etc. de temps en temps, mais qui n'allait pas avoir cette envie de faire des nouveaux albums. Donc là, il a totalement raison. Ça fait du bien des fois d'écouter des sons comme ça de Booba. Absolument, absolument. Donc il n'a pas besoin vraiment de faire des albums pour prouver encore que c'est lui qui a révolutionné, j'ai envie de dire, ce rap game, absolument, avec ce style-là. Ouais, c'est incroyable. Donc sur ce, les amis, je vous laisse ainsi pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas aussi de laisser un petit like. Et sur ce, à la prochaine. Votre Elpa.